Le dimanche matin, c'est sans conteste le meilleur moment de la semaine, le symbole suprême de la détente absolue, du lâcher-prise et de la bonne humeur. Vous vous demandez sûrement ce que je fais de mon dimanche. Eh bien, comme la majorité des familles africaines, je vais à l'église, en famille. Vous savez, la communion avec le Seigneur, là où on apaise nos âmes et recevons la parole. Mais le meilleur de cette journée, c'est quand j'entends. À table, les enfants. C'est pas trop tôt. Enfin, si tu nous avais aidé comme on te l'a demandé, on serait déjà en train de manger. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui nous rassemble. Vous l'aurez deviné, je viens d'une famille chrétienne et très pratiquante. Bénis les mêmes parentales que moi. Et oui, je crois en Dieu. Joseph Maïra. C'est un peu pour ça que j'ai renoncé à empoisonner cette sorcière dont il est désormais défendu de prononcer le nom, après la rupture cruelle et sauvage qu'elle m'a infligée. Nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Merci. Alors, fils, ce nouveau job, ça se passe comment? Il y a de bonnes perspectives et le salaire est très intéressant. Je pense que... Ça va? Ce poisson a quelque chose de différent aujourd'hui. J'ai testé une nouvelle recette. C'est bon, hein? Il propose pas mal d'avantages à ce Laisse-moi boulot. deviner. J'ai dû laisser macérer dans un peu Au de cas où gingembre. vous ne l'auriez pas Persil. deviné, mon père et sa femme Non, sont chefs. mais tu y es Mon père a presque. participé à plusieurs concours culinaires plus jeunes. J'oublie pas, C'est je vais comme le ça qu'il a rajouter sur le menu du rencontré restaurant. Jeanne. Pourquoi pas? Quand j'ai demandé à mon père comment il avait rencontré Jeanne, il m'a dit, ça a été la seule femme face à laquelle perdre a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je souhaite qu'un jour, Dieu te Merci. fasse la grâce de rencontrer la tienne. Alors Jo, tu vas créer des robots? Non, je ne vais pas créer de robots. Alors, tu disais quoi déjà à propos de ce nouveau job-là? Rien d'extra. Je commence demain. Super ça, mon chéri. C'est bien. Je viens d'avoir une idée. Tu pourrais passer à la maison manger vu que tu habites pas loin. C'est vraiment tendre, ce poisson. Merci. Maman, on peut laisser tout ça quand Clarisse revient demain matin de son week-end. Elle va arranger tout ça. C'est vrai. Mais tu peux te taire et essuyer tranquillement la vaisselle. Prends exemple sur ton frère. Jo, je suis tellement contente pour toi. Merci, Jeanne. Maintenant, tu nous sors ton application et tu deviens le nouveau Steve Gates. Bill Bill Gates, Gates. moi. Bill Gates, Steve Gates, c'est la même chose. En tout cas, ta mère serait tellement... Ne cassez pas mes assiettes. Je suis désolée. Cette femme, elle est partie. Donc évite de mentionner son nom à ma présence, ok? Faut te calmer, Jo. Je suis désolée, mon chéri. Je vais à la boutique. J'ai loupé une affaire, une étape dans la mission ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman a abordé le sujet tranchant. Ça m'a échappé. Je suis désolée, je suis désolée. Ça, c'est la technique Didier Drogba. Petit. Merci, 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 mes fans, mes fans. Tu es bon. Ah, y a client, tiens. Bonjour, bonjour. Je peux avoir un rasoir? Mais qu'est-ce que vous regardez? Bonjour, Dédé. Ma maman a sa monnaie ici. Oui, ma princesse. Donne-moi un paquet de sucre, s'il te plaît. Pas de soucis. Quoi d'être ma princesse? C'est tout. Ça fait combien? Normalement, c'est gratuit pour toi. Mais comme boutique là, c'est pour mon oncle là. 750 francs seulement. D'accord. Yeah. Dédé, tu es un menteur. C'est quel oncle qu'on ne voit jamais là? Et toi, attends.
On s'est déjà rencontré quelque part. C'est à moi que vous parlez? Oui, votre visage me semble familier. Non, on ne se connaît pas. Ah oui, je m'en souviens, c'est vous le jeune homme du taxi. Mais bon, c'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas. Je peux avoir le rasoir, s'il te plaît? Ouais, elle met l'argent. Oh, je ne sais pas ce qu'il y a entre toi et elle, mais je te préviens, éloigne-toi dès le maximum. Je ne la connais pas. Ne dirais pas, hein? Mon gars, au quartier ici, tout le monde connaît Jamila. Tout le monde connaît Jamila. Moi, je ne suis pas tout le monde. Je ne la connais pas. Vous avez vraiment cru que j'avais acheté une voiture exprès pour ce travail? J'habite dans un studio, les gars. Et l'ego qui regarde le film. Je me sentais tellement frais. Je la sentais plutôt bien cette journée. Joseph Kuyo? Oui. Tenez, le patron veut un compte rendu détaillé sur son bureau. Tu installes là. Le compte rendu détaillé, c'est pour quand? Pour hier, au travail. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'avais imaginé. Mais au moins, je n'étais pas stagiaire. Bonjour. Bonjour. Ah. On y va. On se reposera que lorsqu'on sera mort. Jamie, tu as faim? Non. En fait, je stresse à cause des UV d'informatique. Je suis tellement nulle. Ça ne peut pas être aussi grave. Mais dis-lui, pourquoi ton père t'a interdit d'aller à son travail? Pourquoi? C'est pas important. Elle a fait exploser leur imprimante. Non, ça n'a pas explosé. Il y a juste eu quelques étincelles. C'est tout. Ce que je veux savoir, c'est comment? On lui a simplement demandé de faire une photocopie. En fait, je vais t'expliquer. Je veux dire, comment je pouvais savoir qu'on ne met pas les pièces d'identité dans le bac à feuilles blanches? Non, mais sérieusement, je suis vraiment nulle. Ok. Mon frère est super cadre en informatique et tout ce qui est logiciel. Je vais voir s'il peut t'aider. Ah, ce serait vraiment bien. Minute. Faut d'abord qu'il accepte. Hey, ma petite, personne ne peut le refuser, quoi que ce soit dans ce pays. Ah, toi, tu connais pas mon frère, ma grande. Qui est responsable de ça? Qui a modifié ce programme? Surtout ne répondez pas tous à la fois. Hein? Je crois que c'est moi, monsieur. Vous croyez? Vous me permettez? Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, mais fasse qu'on ne me renvoie pas pour mon excès de zèle aujourd'hui. Oui, c'est moi, monsieur. Je suis désolé.
En analysant le programme, j'ai décelé une erreur que j'ai juste corrigée. Mais je peux les effacer. Je n'ai jamais vu un codage aussi précis. Ah. Vous avez fait comment? 5 de mes meilleurs programmeurs ont travaillé sur ce bug pendant 2 mois, sans succès. J'ai remarqué qu'il y avait des variantes qui n'avaient pas été prises en compte. J'ai juste ajouté. Et en combien de temps? 1 jour et demi, je ne sais pas trop. Vous appelez comment? Joseph. Joseph Couillon, monsieur. Joseph. Je crois que tu as fait bonne impression au patron. Hein. Tu crois? Oui, s'il ne t'a pas viré, en tout cas, je crois que c'est bon. Au fait, moi, c'est Dalen. Enchanté. Tu vas aller le voir quand même. On ne sait jamais. C'est qu'elle a fait ça là encore. Baba, moi. Jamie, ça va? Oui, maman, ça va. Ah. Et à l'école, ça va? Ça va, Baba. Ah, ok. C'est bien, ma fille, c'est bien. Adia, je suis dans mon bureau. Prépare-moi du thé. Et ta journée? Moi, j'ai pas pu sortir à cause de la petite pluie, là. Ma journée s'est bien passée. J'étais à la bibliothèque avec Maïra. Ah, elle va bien? Et la maison? Qu'est-ce qui se passe, maman? Comment ça? Y'a rien? Entre toi qui me parles de la pluie et du beau temps, et papa qui va s'enfermer dans son bureau à 7 heures, tu penses que je n'ai rien remarqué? Je vous ai écouté tout à l'heure. Dis-moi ce qui se passe. Ce ne sont pas tes affaires. Ne t'en mêle pas donc. Maman. Hmm? Je dois prendre des cours d'informatique pour mon examen. Le grand frère de Maïra peut m'aider. Hmm. Vas-y. Tu viendras me dire combien ça coûte. Merci, maman. Non! S'il te plaît, Jo. Je t'ai dit non. Pourquoi tu insistes? Depuis quand tu es devenu aussi égoïste? Je ne veux pas aider ton ami. Est-ce que tu comprends ça? Je ne veux pas avoir affaire aux filles. Attends, mais ça n'a rien à voir avec... Attends, c'est juste un service que je te demande. C'est pas comme si je te demandais de sortir avec elle. C'est juste des coups particuliers. Maïra, tu ne comprends pas. Si tu t'emmènes tout le temps qu'on ne s'intéresse pas à tes trucs-là, au moins tu auras l'occasion de parler avec quelqu'un qui s'intéresse. S'il te plaît, Jo. Je lui ai promis. Ok, on fait un truc. Tu la rencontres une seule fois, une seule fois. Et si ça ne marche pas, on laisse tomber. Bon, ok, c'est compris. Merci beaucoup. Tu verras, elle est trop cool. Je n'ai pas encore dit oui. Je vais y réfléchir. Ciao. Merci. Je suis encore fait avoir. Je suis vraiment content de te voir, mon frère. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à revenir au pays? Je m'ennuyais à New York. Sérieux? Non, je plaisante. C'est mon père qui a demandé que je vienne pour finaliser ce que tu sais. Bah, je vais le faire au plus vite et puis retourner. Et tu la rencontres à quelle heure? Bon, j'ai encore le temps devant moi. Hein. Mais je compte pas accepter, ça me dit rien, ça. Ah, shit. Time is up, faut que j'y aille. Attends, je t'accompagne. Là, c'est une sortie, une C4. Oh, ça te plaît? Monsieur, j'ai... Oh, shit! Policeman! Tu vois pas bien? Calme-toi, Nazi. Hey! On va te trouver une serviette. Calme-toi. Excusez-moi, monsieur.
Allez-y, on se voit plus tard. Allez-y. Où t'en restes à tarder là? Calme-toi, Najib, je vais régler ça. What? Allez-y, je vois plus tard. What? Allez-y. What? Je sais. Allez, calme-toi, assieds-toi. Hein, je vais trouver une serviette. On va régler ça. Espèce d'enfant pourri gâté. Oh, vois le bon côté des choses. Quel bon côté? Bon, arrête de m'agresser. Doucement. Je voulais vous remercier pour avoir joué le jeu tout à l'heure. Mon ami a mal agi, mais sa famille fait partie des plus gros actionnaires de la boîte. Donc j'étais un peu dans une position délicate. Ça va, boss, je comprends. Super. Et pourquoi tu souris? Je vois les bons côtés de la situation. Attends, j'ai manqué un épisode. Vu qu'il s'excuse pour son ami, je vais profiter de l'occasion pour que je sois son protégé dans la boîte. Tu penses à tout, toi? Yami. Moi. Ma fille. Bonsoir, quoi. Bonsoir, ma fille. Bonsoir. Moi, je vous croyais chez tante Anta. Oh, c'est vrai. Mais comme tu vois bien, on a de la visite, ma fille. Bonsoir. Tu dois être Jamila. Bonsoir, monsieur. Najib. Appelle-moi Najib. Ok. Tu es très belle. Merci. Vous avez une belle chemise. Merci. Tu peux te réasseoir, mon fils. Jamila, tu te souviens du fils cadet de Monsieur Kanté? C'est lui. D'accord, papa. Je vais retourner en chambre, j'ai des devoirs à faire. D'accord. Ravi de vous avoir rencontré, Najib. Elle a grandi. Et elle est très belle. Merci. Bon, maintenant que je l'ai vue, je suis pressé. Ah, j'étais sûre qu'elle te plairait. C'est bien ça, vous les jeunes. Déjà décidé. Laisse-moi t'expliquer. Vous m'aviez promis. Attends. Je devais d'abord terminer mes études. Alors pourquoi vous me faites ça, maman? Calme. Pourquoi? Calme-toi. Je ne suis pas prête. Vous le savez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? On n'avait pas le choix, ma fille. Ton père avait des problèmes. Et il est allé voir le père de Najib pour qu'il l'aide. Et il lui a posé cette condition. Je ne suis pas prête. On va te laisser le temps d'y réfléchir. Pense à ton papa, ma fille, à ses affaires, à la famille. Tout va dépendre de ta décision. On savait que ce jour allait arriver tôt ou tard. C'est arrivé un peu tôt. Ne pleure pas. Ils reviennent quand? Après-demain, te voir.
Dis-le-là. Jamie, c'est mon frère. Toi? J'ai manqué un épisode. Et voilà, tu sais tout. Waouh. Mais c'est génial. C'est un signe du destin. Écoutez, Joseph. Je sais que vous ne m'appréciez pas, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Pas la peine d'insister. La toute dernière fois, une fille m'a dit ça, j'ai fini en... Ça ne m'intéresse pas. Attendez. Jetez un coup d'œil à mes relevés. Vous verrez que je suis une étudiante sérieuse. S'il vous plaît. En plus, je suis déjà fiancée. Donc, je ne vous embêterai pas. Jo, celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Proverbe 19, verset 17. C'est un chantage affectif. S'il te plaît, si tu fais, Dieu va te bénir. Ok, lundi en journée, à la bibliothèque. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce projet est intéressant. Dites, c'est pour participer au concours de l'innovation de l'année? Ouais. Bon, je sais qu'il reste encore quelques zones d'ombre, mais ça vous dirait de travailler dessus avec mon équipe? Ça y est. C'était le grand moment tant attendu. Augustin Sanson, alors, mon mentor, mon guide, et probablement la personne que j'aimais le plus sur cette terre après Dieu, ma famille et cette teigne dada, me demandaient de travailler avec lui. Tout ce que j'ai pu répondre, c'est... Non, monsieur. C'est-à-dire que je suis très content de travailler sur le projet. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Très bien. Il m'arrivait tellement de bonnes choses que je suis allé rendre toute la gloire à qui de droit. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai pris toutes les décisions les plus importantes de ma vie ici, sur ce banc.